Et salut les gens, c'est Calibo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Bouclier. Alors, si vous avez vu, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est juste l'écran de démarrage du jeu. Vous voyez, il y a écrit à continuer tout ça, enfin voilà. C'est juste parce que là, c'est. Je fais ce tournage à peu près une semaine après le tournage des autres épisodes. Donc, épisode 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, c'est l'épisode 6 et on va pouvoir continuer. Donc en appuyant sur A, bien sûr, hein, c'est la base, avec le petit écran de chargement et la Pokéball. Donc écoutez, on est parti pour une petite vingtaine de minutes peut-être. Et voilà. Donc là, rappelez-vous, la dernière fois, on s'était laissé, voilà, juste devant cette ville. Donc je ne peux pas monter la caméra plus haut, mais voilà. Et la dernière fois, on avait traversé ça. Ça s'appelait les plaines sauvages, les ouais, enfin voilà, je crois que vous avez compris. Et donc on s'était laissé juste à l'entrée de cette ville dans laquelle on devait se rendre. Et écoutez, je propose qu'on s'y rende également. Juste, il y a deux mecs là, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Salut dresseur, tu fais tes premiers pas dans l'art du... C'est quoi le montage de toile? Et ben, grâce à moi, tu vas en connaître toutes les ficelles. Moi, les gens m'appellent Camp King. Ah, le montage de toile. Ok. En gros, la construction des toiles de camping. Ouais, je viens de piger. Tu sais, moi aussi, j'étais débutant, tout comme toi. Mais tu verras, on progresse vite. N'hésite pas à venir me voir si tu veux tout savoir sur le Poké Camping. Sur ce, qu'est-ce que le camping peut faire? Qu'est-ce que le Camp King peut faire pour toi? Bah, pour l'instant, rien. Juste, on a un petit boudet. Enfin, un Pokémon que je connais, ça fait plaisir. Donc écoutez, on va l'attraper, hein. Voilà. Les rayons du soleil brillent. Donc a priori, ça va pas faire grand-chose pour... Ah si, 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 ça affaiblit les attaques de type eau. Bah, on s'en fout, ça va quand même marcher. Voilà. Allez. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus faible. Il est level 13, mais on est level combien déjà? Oula, on est niveau 14. Attends. Ouais, vaut mieux utiliser Vibraquoi. Ouais. Allez. Ouais, je confirme, c'est mieux. Endurance. Ah oui. Ah merde, sa défense augmente. What? C'est quoi cette attaque de folie? On dirait trop. Je sais pas. Non, bon. Ça va, on lui fait mal, on lui fait mal. Endurance de Thiboudin, encore une fois. Donc, en fait, à chaque tour, ça va lui augmenter sa défense. Et il augmente encore plus sa défense avec ça. Eh ben. Bon, c'est pas grave. Nous, je crois, c'est une attaque spéciale qu'on lui fait avec ça. Ouais, c'est bon, c'est une attaque spéciale. Enfin, c'est en gros une attaque. C'est pas une attaque directe, quoi. Donc. Son pouvoir ne sert à rien contre nous. Et voilà, on l'a tué. Ouais, je voulais pas le capturer, mais j'aurais pu. On a Rengourmand, Mini-Singe et Kélo Croc qui montent de niveau. C'est très bien. Garde à joue. Ah ouais, ok, la blague de merde. Il va prendre Fury. Bah, on va voir c'est quoi Fury, déjà. C'est puissance 15. Qu'est-ce qu'on... Ouais, franchement, aiguisage, ça sert à rien. 1, 2, tada. Mini sans oublier aiguisage. Et il apprend Fury. Et Kélocroc, est-ce qu'il va apprendre un truc? Non. Voilà. Comme ça, c'est rapide. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah, c'est un... Ouais, ok, un point d'espiègle. Yes. On va essayer d'attraper celui-là. Après, je garantis rien, mais... Ça sert à quoi Brise-Moule? Je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Cogne. Ah merde, ça fait mal. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on tente? Ouais, allez, on essaie quand même. Espérons qu'il va pas nous tuer, ce serait... Ce serait bête.
Gros yeux, non, ça va, ça va. C'est pas avec gros yeux qu'il va nous. Ouais, ok, il y a vraiment des fois où je me dis que je suis vraiment débile. Mais en gros, j'ai tout simplement oublié de relancer le record. Voilà. Oui, comme une grosse merde, j'ai oublié de lancer le record. Mais en gros, j'ai attrapé un nounourson et j'ai attrapé le pan d'espiègle. Ouais, je crois que je vous avais laissé ici. Et ensuite, je suis allé dans le centre Pokémon et j'ai soigné mes Pokémon. Voilà, c'est tout. Ah oui, et il y a Sonia qui nous a dit qu'elle va nous faire visiter la ville. Mais voilà, mis à part ça, vous n'avez rien raté. Cette fois-ci, j'ai bien lancé. Vous inquiétez pas. Mais oui, je sais, il y a des fois où je suis vraiment débile. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de toute façon. Alors, le super dresseur qui a traversé les terres sauvages. Tu te souviens de ce qui t'amène à Motorby, n'est-ce pas? Le défi des arènes. Exactement, la cérémonie d'ouverture a lieu demain. D'accord. Et aujourd'hui, on fait quoi? On marche, ok. Elle se déroulera dans le stade de Motorby. Pour t'y rendre, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. C'est un ascenseur, ça? Sur ce, je te laisse. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. Je n'y manquerai pas, t'inquiète pas. Et écoutez, je propose qu'on visite un petit peu cette ville. Là, c'est quoi? Non, c'est juste une lumière ou quelque chose comme ça. Oh! Une Pokéball dans une poubelle. Ah ouais. Ok. Monsieur Tara qui lance des Pokéballs tellement forts. Les Pokémon à l'intérieur, ils doivent avoir le tournis. Oh là là. Lui, il fait quoi? Il faut apprendre à lancer une Pokéball. Et après, il faut répéter le mouvement plein de fois pour prendre la bonne posture. Ouais. Merci du conseil, mais... pourquoi j'ai sifflé? Je ne sais pas. Donc, de ce côté, on a quoi? On a un petit pont. Motorby est vraiment une ville incroyable. Vous savez qu'il y a un ascenseur pour passer d'un cas... D'un... Ah, attends, pourquoi il veut? Mais... Pourquoi tu m'empêches de passer, toi? C'est pas bien. C'est pas gentil. C'est quand même bien stylé, ces engrenages. Tu savais qu'ils tournaient grâce à la vapeur? Oui, j'avais remarqué avec toute la vapeur qu'il y a ici... Bien sûr que je le savais. Je ne suis pas du tout en train de mentir. Quoi de neuf dans ta vie? Niveau de... Ouais, donc ça, c'est un mec qui va rien te dire, en fait. Écoute, je crois qu'on va prendre l'ascenseur. Et... Parce que, ouais, il n'y a rien d'autre à faire, franchement. Il dit c'est une grande ville, machin, mais je vois pas grand-chose à faire. Si, ici, on a une vendeuse de fleurs, mais pas très intéressant. Dra... Ça, je suis sûr, c'est Tarak. Gagné. Merci, mon gros. Heureusement que t'es là. Comment je ferais pour trouver le stade sans toi? Vous savez qu'il est beau, la forme? Bah ouais, et toi? Faut que tu te montres digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà. Tu pourrais faire tenir ça, un de tes Pokémon. Une eau mystique. C'est un truc qui augmente la force de des Pokémon de type eau. Donc si je le mets sur mon Larmeléon, techniquement, mon Larmeléon deviendra plus fort. Trop bien. Et maintenant, on va vite prendre l'ascenseur. Le stade de Motorby t'attend. Bah ouais, j'y vais, écoute. Et je vais juste prendre ces... ouais, c'est dans mon sac. Voilà. Donner à Larmeléon. C'est parfait. Maintenant, il a notre... Allez, on va pouvoir monter. Wouhou! Ah, c'est trop marrant. Je voulais parler au mec qui a une tête de Pokéball. C'est pas bien à lui. Ah, t'es là. Le stade de Motorby. C'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir. Bon sang, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir. Quelle pression! Bah moi aussi, le monde entier est actuellement en train de me voir. Même s'il n'y a que très peu de personnes qui regardent cette vidéo actuellement, le monde entier peut le voir, je crois. Même si la majorité ne comprendra pas ce que je dis.
Ouais, ok, je vais un peu trop loin. Bref, on va continuer à lire ce qu'il dit parce que sinon on va s'éterniser et c'est pas ce que je veux. J'en tremble tellement je stresse. Non, c'est pas du stress, c'est juste que je suis complètement surexcité. Viens, Kaibo, on fonce. Le monde entier va apprendre nos noms. Bah ouais, c'est bon, du calme. C'est demain, pour rappel, ta cérémonie, machin. Mais, écoutez, on va y aller. Ok. J'avoue, c'est stylé, franchement. T'as vu ça? Il y a des challenges partout. Quand je pense que ce sont nos rivaux. Enfin, bref. Allons nous inscrire. Exactement. Allons-y. Et pendant qu'il y a cette cinématique, je vais regarder le temps. Excusez-moi, oui, si ça a tremblé, c'est parce que j'ai tapé sur mon écran comme un gogol. 5 minutes. On va dire que l'autre partie faisait 5 minutes, donc on a encore... Ouais, je vais m'arrêter à 15 minutes. C'est quoi son problème à lui? C'est pour le défi des arènes? Vous voulez de recommandations, s'il vous plaît. Ok, voilà, tiens, cadeau, monsieur. Vous êtes recommandé par le maître en personne? C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé 2 personnes. Mais qui êtes-vous, des célébrités? Moi, c'est Nabil, je suis le petit frère du maître. Et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites, juste un instant. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard. Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. On peut prendre 3 chiffres. Les gens, vous savez qu'est-ce qu'on va prendre? Si, si, vous savez très bien, mon pseudo c'est quoi? Kalibo. Mais après, il y a quoi après mon... Il y a quoi? 999, bien sûr. Oui, voilà, exactement, parfait. Le numéro 999, je note. Voici un bracelet défi. Tous les challengers doivent en porter un. Le défi des arènes commence dès demain, ici même. Tous les challengers peuvent se loger au rose bouton d'or en attendant la cérémonie d'ouverture. Trop sympa, le président de la ligue. Grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos. Bon, allez, je vais m'enregistrer. À plus. Et il me laisse en plan. C'est extrêmement sympathique de sa part, mais bien sûr, ce que je viens de dire était ironique. Mais je sais pas où est-ce qu'on doit... Je sais pas où est-ce qu'on va s'inscrire. C'est ça le problème. Vous savez quoi? On va en profiter pour aller voir le mec à la tête de Pog. Excusez-moi, vous êtes bien Kalibo, le challenger. Le rose bouton d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener. Suivez-moi. Mais on ne pourra donc jamais parler au mec en Pokéball? Si, c'est bon, on peut lui parler. Tadam! Tu aimes les Pokéballs? Bellissimo, j'ai un cadeau pour toi. Oh oh, trop de la balle. Attendez, j'avais hâte de parler à ce mec pour une Pokéball. Croyez-le ou non, mais je ne suis pas une vraie Pokéball. Qui suis-je alors? C'est simple. Je suis le seul, l'unique. Je suis le bal masqué. Merci. Merci beaucoup. Je me rappellerai de toi. Merci beaucoup. Voilà. Bon. A priori, c'est là. Bien, Kaibo, nous voici au rose bouton d'or. D'accord. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour les combats qui vous attendent. Merci bien. Écoutez, je vais aller me reposer sans plus tarder. Hop. Parfait. Salut les apprentis dresseurs. Alors c'est bon, vous êtes inscrits? Et Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Déjà, c'est quoi ça? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a très longtemps.
Vous voulez connaître l'histoire? Un résumé, oui, pourquoi pas. Il y a fort, fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la nuit noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier, les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Ça fait un peu penser à Link dans Zelda, mais bon. Ah, ok, en tout cas, le héros, il en jette. Il devrait être fort que mon frangin. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia, s'il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout. Je suis sûr que Sonia va arriver. Mais oui, je finirai bien par trouver quelque chose. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Ils ont l'air pas mal occupés, là. Ça marche. Et si on trouve quelque chose, on te prévient. Bah, on va s'enregistrer. Et oh. Comment ça, il n'y a pas de réservation au nom de la Team Yel? On s'est déjà tapé tout le trajet jusque dans la ville des... On s'est déjà tapé tout le trajet jusque dans la ville de Bourges pour encourager notre choupinette. Et en plus, il faudrait payer pour une chambre. Va falloir nous battre pour nous faire partir. Ok, si vous insistez. Ok, ils ont un peu l'air d'une bande de débiles, mais bon. Tu cherches les embrouilles, c'est ça. On est venu jusqu'ici pour soutenir la meilleure des dresseuses, ok? Et nous, on est les meilleurs des supporters. Alors, tu vas pas faire ton malin longtemps. Ok. Sbire de la Team Yel veut se battre. Donc, la Team Yel, bien sûr, ce sera nos ennemis, comme la Team Rocket, la Team Skull, la Team Galaxy, la Team Weji, la Team Aqua. Enfin, voilà, je crois que vous avez compris, quoi. Un zigzaton. Oh, stylé en forme Alola en vrai. En forme Alola. En forme Galar. Et on va attaquer. Avec Vibraqua. Ça va, le mec est quand même un petit peu faible. Il est niveau 9. Voilà, c'est bon. Voilà. On l'a fait se taire. On a Rongourmand qui monte de niveau. Écoute, c'est bien. J'ai eu signe. J'aurais pas dû te provoquer. Et merci pour la thune. Merci beaucoup. Avec le truc qui fait drink là qui est bien chiant. La Timmy, elle me vengera. Carrément, un combat Pokémon dans le hall d'un hôtel pour Bourges. Pour Bourges. Allez. Il croit vraiment pouvoir me battre, sérieux. Attendez un moment. Bon bah. Salut. Ce n'est qu'un prélude. Hasta la vista, baby. Oui, j'ai pris une voix de merde, je sais, mais voilà. Je crois que vous avez compris. Voilà. Merci beaucoup. Je m'en vais. Au revoir. Avec Mini Sange et Kilo Croc qui monte de niveau. C'est sympa, merci. Au revoir, bonne journée. Ouais, ok, merci, au revoir. Voilà. C'est trop Bourges ici. Je peux pas me battre, sérieusement. Au milieu de tous ces gens de la ville. Bah, c'est ça, casse-toi. Eh ben, dis donc, c'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi. Eh mais attends, vous faites des combats Pokémon? Trop bien, ça me fera une séance d'entraînement. Bouge pas, Kaibo, je vais soigner ton équipe. Enchanté, moi c'est Nabil, je suis challenger. Ah ouais, le gars qui leur parle avec du respect. Je suis bien décidé à devenir le prochain maître prêt pour un petit 2v2. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que des vrais supporters. Venez pas pleurer après. Bah écoute, c'est toi qui va partir en cacahuète, en fait. Voilà. Zigzaton et Goupilou. Ok, les deux.
l'armée Léon et Moumouton de l'autre côté, on va les faire souffrir. Bah, voilà. Vibratoire. Hop, on a buté Goupilou déjà. C'est un bon début. Par contre, on gagne pas beaucoup avec l'armée Léon. C'est ça, vas-y, aboie. Ça chatouille à peine. Par contre, mon attaque spéciale baisse et ça va être un peu plus chiant. Mais écoutez, c'est pas grave, on va utiliser Vibraquois. Ça va tuer le mec, voilà, point barre. Allez. Bonne journée. Et voilà, encore un combat de gagné. Écoutez, que voulez-vous faire de plus? On est très bien comme ça. Hop. Je suis tellement dégoûté d'avoir perdu que j'en ai la voix qui tremble. J'ai besoin de soutien, là. J'étais juste venu mater la cérémonie d'ouverture du défi d'arène, moi. Et en plus, on gagne plein de thunes. Écoutez, je crois qu'on se met bien. Bon, ok, les seuls qui pleurent dans l'histoire, c'est nous. Mais il se passe quoi ici? Rosemary? En fait... Je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution, clairement pas. Désolé, ils sont fans de moi. Ils se sont trouvés le surnom de Team Yell. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être loups parfois. Ça suffit les bêtises, rentrez chez vous. Ok. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond, trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé, je m'excuse pour eux. Oh, trop cool! T'es une challenger aussi? Et t'as déjà plein de supporters? Ils ont un nom et tout. Je trouve que ça sonne bien, la team Yell. Attention, hein, j'ai dit team Yell et pas team Miel. C'est différent. Donc, on va pouvoir se register. Bonsoir, bienvenue à l'hôtel Rose Bouton d'Or. Vous êtes un dresseur prenant part au défi des arènes, c'est bien cela? Oui. Monsieur Calibre, voilà. La Ligue a réservé une chambre à votre nom. Merci encore pour votre intervention salvatrice de tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent séjour chez vous. Bah, merci bien. Ça veut dire que nos Pokémon ont été soignés. Enfin, en l'occurrence, l'armée Léon, mais enfin, voilà, vous m'avez compris. Ok, on a Nabil qui révise un peu. Salut! Je crois que le grand jour est arrivé. Notre histoire va commencer. Viens, Kaibo. On fait la course jusqu'au stade de Motorby. Faire la course jusqu'au stade de Motorby. Eh bien, écoutez, les amis, cette course jusqu'au stade de Motorby ne se fera pas tout de suite, étant donné que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà. J'en ai marre de dire voilà. Non, mais vraiment, j'ai envie de vous le dire clairement. J'en ai marre de dire voilà. Voilà. Le gars qui dit j'en ai marre de dire voilà et qui rajoute voilà après. Bref, pensez à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément. Activez la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, notamment la suite de cette formidable série. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, c'était Calibo. À la prochaine. Bye tout le monde.